petits épiciers, les vendeurs de café ambulants ou encore les gestionnaires de kiosques de paiement voient leurs biens saisis et leur matériel détruit. Dédi, ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on... Entre nous, écoutez français des Morocs qui parlent là. C'est pas un petit Djula qui est là, lui qui parle là. Brigade anti-désordre urbaine, merci beaucoup, grammatical. L'homme qui parle. Déjà, il y a quelques personnes, il n'y avait pas de travail, on leur donne des emplois. Donc, même si les Ivoiriens vont mourir, ce n'est pas leur problème. Et ils doivent maintenir leur boulot. Regardez comment ils parlent. Savoir parler, les gens, ils connaissent tous le petit Djula du RDR. Ça a déjà dit. Voit leur bien saisi et leur matériel détruit. Teddy, ramassez tout ça, la mettez dedans. Madame, on vous a déjà dit. Ça, là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont égales. Ramassez tout ça, la mettez dedans. Poum, poum. Des incultes. Les incultes. Savoir parler avec les gens qu'ils ne connaissent pas. J'ai pitié pour les Ivoiriens. J'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. J'ai pitié pour mes parents. Quand j'ai fini de regarder la vidéo, j'ai commencé à pleurer moi seul. Hé, tchè, à tes sabari. Hey! C'est-à-dire, moi j'ai pris Dieu pour voir des dramas n'a qu'à finir de mon vivant. Je suis parti regarder aujourd'hui sur la CI, la liste des CI. Chaque année je regardais, il y a mon nom qui sortait Goya, j'ai fait capture. Il y a 3-5 captures ici. Donc ils ont mis à la disposition, ils sont partis et ils ont enlevé mon nom de là. Voilà, voilà, on en voit parce que bientôt ils vont venir. Mais les commissions de CI ici là, les bêtises là, en 2010 j'étais patron de CI moi aussi. C'est moi qui ai organisé l'élection ici. Donc, ils ont envoyé le lien. Bon, vous pouvez aller contrôler quoi. Chaque année, je contrôle. Ça sort mon nom, mon prénom, je fais capture, je garde. Chaque année. Cette année-là, à la veille de 2025, ils sont arrivés à la maison, ils sont allés contrôler. Mon nom n'apparaît plus. Je me suis mis à rire. Moi, je t'ai dit, Draman, ton pays, là, tant qu'il y a la tête, moi, je n'ai pas affaire à la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, tu seras toujours aligné. Ils ont enlevé mon nom. Et sur la liste. Sur la liste de CI. Voilà, ils disent, lui, là, c'est un surréaliste. Voilà, il bavarde trop d'eau, il ne va plus voter. Mais 2025, il ne va même pas trouver Draman là. Amusez-vous seulement. Vous ne savez même pas ce qui est en train de se préparer. Ramatical, voilà, il est envoyé le capture, tu vas voir. Chaque année, il rentre dedans, il met mon nom, mon prénom, date de naissance, numéro de mes 4 électeurs, ça sort Goya. Comme ça, j'ai fait capture. Voilà. Mais cette année-là, je suis parti. J'ai mis tous mes données. Mon nom n'est plus sur la liste. Ça, ce n'est pas grave. Mais il a Draman typé à Valais, nous, on est ici. De la brigade, voit leur bien saisi et leur matériel détruit. J'ai dit, ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on vous... J'ai dit, ramassez tout ça là, mettez dedans. Faut parler bien français, tu es parti à l'école ou pas? Petit Djula, des dramas. J'ai déjà dit, ça là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont... Ça, c'est quelle brigade depuis le monde est créée pour la première fois? Brigade anti-désordre urbain. Ah, Draman, il faut créer seulement. Quand tu vas finir, tout ce mouvement bizarre sera dissous. Tous ces trucs bizarres là, sera dissous. La Sénat sera dissous, Urbain sera dissous. Tout ce que tu as créé là sera dissous. Apprêtez-vous, 253 personnes là, vous allez partir chercher travail. C'est pas un travail ça. Également dans le viseur de la brigade, cette femme est interpellée manu militari pour être emmenée au commissariat. Femme Djula de Draman, une vieille, regardez là. Pardonnez, hein. Regardez. Voilà leur bien saisi et leur matériel détruit. Teddy, ramassez tout ça, la mettez dedans. Madame, on vous a déjà dit. Ça là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont également dans le viseur de la brigade. Cette femme est interpellée manu militaire. Cette femme est interpellée manu militaire. Une vieille femme du là de RDR, à Flaine Oubouléa. On l'a soulevée comme un chien. Comme une chienne. Une maman. Femme du là de Draman. Tu vas vérifier la... La vieille, là, tous ses enfants sont morts dans la rébellion des maîtres de Draman. Si vous vérifiez, aujourd'hui, elle est abandonnée. Elle s'en a demandé 5 francs, 5 francs. Ils sont venus la soulever comme une chienne. Ça n'a aucune dignité. La jeter dans le corgo. Regardez. Pour être emmené au commissariat. Vous voyez que Cocody, qui est une commune de Luce d'Attaque, qui a donné fier à lui. Et puis, moi, il est vilain. Regardez. Non, pour lui, il a trouvé travail comme ça. Il ne va pas jouer avec ça. Coro, mon frère, a eu pitié de nos parents. Regardez là. Il est trop vilain. Mon frère, Coro, grand frère, a eu pitié de nos parents. Bagua a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Après Draman, toi là, on t'a identifié déjà. Voilà ta photo qui est ici. On a fait le capture, on va garder. Après Draman, on va t'appeler pour demander des comptes. C'est pourquoi Bagua a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il ne faut pas trop te montrer. Hein? Nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones.
Ton brigade existera jusqu'à les jours où on va chasser Draman comme un malfrat. Ces jours-là, ton brigade, ça là, va prendre fin. Il faut écrire ça. Et puis nous allons partir dans toutes les communes d'Abidjan en tant qu'assalbrité, notre brigade. Ton brigade, là, tant que Draman est là, elle ne sera pas dessus. Mais le jour où Draman va partir, vous allez l'accompagner. Et puis ce qui m'étonne dans tout ça, le patron d'une ville, c'est le maire. Maire de la ville, qui est le patron de la ville. Mais le maire de la ville ne peut pas brosser un mot face à ces comédiens-là. Ramatical, le maire d'une ville, il a dit que toutes les communes n'ont qu'à s'apprêter. Ils vont venir. C'est-à-dire, mais votre comédie là, Abidjan sera jamais comme Paris, comme Manhattan, comme États, comme New York. Jamais. Détrompez-vous. Abidjan sera jamais comme petite ville de Mila où je suis assis là. Regardez le guidon là. Il n'y a personne, c'est propre. Tu peux te coucher dessus sans matelas. Regardez, je vais vous montrer quand j'ai fini. Je vais vous montrer le riz là. Où je suis assis là. Vous voyez, attends. Regardez. Vous voyez le riz là? Voilà. Propre, propre, clean, clean. Tu peux te coucher dessus. Bon, ça, c'est une petite ville de Milan. Voilà, ça va jusqu'à la fin. Tu vois, vous voyez, il n'y a personne, c'est moi seul qui est assis ici. Vous voyez tous ces lampadaires là, les animaux, les dramans qui parlent des courants là. Voilà. Lampadaires, ça va jusqu'à la derrière, devant, voilà ça. Vous voyez, tous ces lampadaires, voilà, et en haut ici. Voilà, c'est que ici, assis en bas de lumière là. Quand on parle qu'il y a un courant habitant, des animaux comme ça. Vous comprenez? Notre brigade va exister jusqu'à. Non, brigade là va faire fin très bientôt. Draman va regretter pourquoi il a créé ça. Un vilain mort. Après la. Il y a une commune de Luz Data qui a donné fière à lui. Nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Ok, on a compris. Votre brigade existera tant que Draman est au pouvoir. Écrivez ça. Et ce qui m'a fait pleurer, le peuple ivoirien, ils ont fait quoi à Draman pour mériter cela? D'un côté, Bakongo, le Guinéen, en train de détruire, sans limite. De l'autre côté, les enfants de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas parti à l'école, que Draman les a recrutés, en train de détruire, tout sur leur passage. Je mes larmes ont coulé. Je pleurais aujourd'hui au travail. Ces peuples ivoiriens ont fait quoi pour mériter cela? Qui ont tout donné à Ouattara. Peuple du Nord, avec Malassane, fait quoi? Il s'avarie. Peuple du Nord, parler à Ouattara. Il n'a qu'à se calmer. Il y a des gens qui sont passés avant lui. Au fond, il n'est plus là. Bédié n'est plus là. Gueye n'est plus là. Papa Laurent Gbagbo, il est là. Mais il n'est plus au pouvoir. C'est que Ouattara va passer. Hé, tchè. Après votre pouvoir, moi, je suis le seul qui vous dit en Gbetra comme ça, là. C'est moi. L'homme qui vous dit en Gbetra, Gbé, c'est moi. L'homme qui vous dit qu'après Ouattara, ça ne sera pas bon pour vous, c'est moi. Et je vous aime encore. C'est pourquoi je vous dis d'aller dire à Ouattara, stop. Il n'a qu'à s'arrêter. Ce n'est pas Ouattara qui a créé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui était le premier président en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui a fait le dépôt d'Abidjan. Ce n'est pas Ouattara qui a construit le building de plateau. Non. Il s'appelle Ofoiboigny. Ce n'est pas Ouattara qui a construit le premier université en Côte d'Ivoire. Non. Arrêtez vos médiocrités là. Ouattara, il vient, il fait pour lui, il s'en va. Arrêtez de mettre tous les Ivoiriens sur votre dos. Chers parents du Nord, à cause de Draman. Déjà, nous avons mis tous les Ivoiriens sur nos dos en prenant les armes pour lui. J'ai dit aujourd'hui, Dieu merci. Grâce à Dieu, les Ivoiriens ont fini pour nous pardonner. Mais vous là, vous ne serez jamais pardonné. Continuez de le soutenir. Eh tchè, on peut gouverner les gens comme ça. D'un côté, si c'est Bakongo, le Guinéen, en train de détruire tout ce qui bouge. De l'autre côté, vous êtes en train de détruire, c'est tout ce qui bouge. Et en haut là-bas, le ministre de Construction dit que les ébriers, c'est des animaux. Que leur mode de vie là, ne peut plus marcher à Abidjan ici, dans leur village. Ils ont détruit leur village, on veut les chasser d'Abidjan. Mais eux aussi, ils ne veulent pas mourir. Pour leur dignité. C'est ça. Allez, regardez. Nous décomité des analphabètes. Mon beau Pekis. Après la. Il y a une commune de Luz Data qui a donné fière à lui. Nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé maison. Le mois passé, ils ont cassé moi ma maison. Maintenant, voilà, aujourd'hui, où je vois, ils sont venus détruire. Maintenant, je fais comment? Si ce n'est pas malédiction de l'homme africain, écoutez la dame là. Hein. Si ce n'est pas la malédiction de l'homme africain, regardez la dame là. Elle est où? Dans son propre pays. Qu'est-ce qu'elle a dit? La fois dernière, ils ont cassé ma maison. Aujourd'hui, ils sont venus casser ma commerce. Je vais aller où? Là, madame, les juges, ils sont venus casser commerce là. On devait te tuer. La vie humaine demande ça. Mais le problème, votre problème, vous ne voulez pas mourir. Même en vivant dans le poubelle, dans la misère, vous voulez vivre. Non, là, tu n'as plus de dignité.
avant de venir casser ta commerce, on devait casser la commerce avec toi. Tu partais te reposer à jamais. L'homme noir africain ne connaît pas ça. Voilà. Il y a quoi, vous, Ivoirien? Il te fait ça. Il vient à ton misère là. Tu ne veux pas mourir. Tu préfères vivre dans la misère. Ivoirien dans son village, écoutez. Ils ont cassé maison. Attendez, nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. C'est faux. Ton brigade existera tant que Draman est au pouvoir. Il faut écrire ça. Que notre brigade existera tant qu'il y a saleté dans la vie. Tu mens. Cette brigade de merde là existera tant que Draman est au pouvoir. Écrivez ça. Après le départ de Draman, vous allez voir si ces brigades vont exister. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé maison. C'est pas les gouttes d'eau, hein. Ils ont cassé maison. Ma petite sœur, y'a quoi toi? Y'a quoi? Tu as quitté Côte d'Ivoire en même temps. Vous avez dit, moi je vous ai dit ici, avant 2000. J'ai dit si 2000 trouvent Draman au pouvoir, il va rien quitter le pays là. Je vous ai dit ici, 2020, vous êtes réussi à rester au pouvoir. C'est fini pour vous. J'ai déjà dit ça. 2025, s'il reste à s'imposer encore, terminé. Quittez Abidjan. Ceux qui ont des villages, allez au village. Ceux qui n'ont pas de village, retournez chez vous. Sois salué, grand frère. Franck Tawara. La dignité humaine, c'est ça là. Moi aussi, assis là, je suis prêt à mourir. Mais avec les armes à la main, aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de la mort. Que tu mets aujourd'hui, tu vas mourir. Venez casser ma maison. Là demain, venez t'apprendre à ma commerce. Non. C'est en Côte d'Ivoire, je vois bulldozer en train de détruire mosquée. Il y a fouille. Non. Moi, à l'époque, tu vas détruire mosquée là avec moi. Je suis dedans. On va partir ensemble. Je vais partir me reposer. Peut-être même au paradis. Mais en tout cas, je ne veux pas vivre dans la misère de Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Draman a cassé mosquée ici. Je vais vous montrer. Ça n'est pas parti quelque part. Ça, là, si c'était Laurent Gbagbo, là, non. On allait massacrer tous les bétés. Abidjan allait disparaître. Oui, oui. Oh! Plus d'attente qui a donné fier à lui. Attendez, nous allons visiter toutes les communes. Et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé maison. Le mois passé, ils ont cassé moi ma maison. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je vois, ils sont venus détruire. Maintenant, je fais comment? Peut-être ils veulent que... Tu fais comment? Il faut te suicider, madame. La fédération allait casser ma maison. Aujourd'hui, je vois, ils sont venus casser. Je fais comment? Nous tous, on va partir au village. On va partir. C'est ça. Tu as deux choix. C'est ce que j'ai dit. Retourne au village. Il faut te suicider. C'est la malédiction dans ton propre pays. Draman, il est qui? Moi, ma maison, Abidjan, avant, ça dit, maison sera détruite avec moi. Ça dit, j'ai vu, ça dit, on n'en parle plus, quoi. Parce que quand tu vas mourir, tu vas plus faire face à cette humiliation-là. Tu vas aller te reposer à jamais. C'est mieux que ça. Prenez l'exemple, si les Palestiniens, les enfants. Petit de 5 ans, il est arrêté avec Tayou. Devant Carigo militaire d'Israël. Tuez-nous tous. C'est notre terre, sinon on ne bouge pas. Ça fait 40 ans, Israël est en train de tuer, mais ils sont là. Donc, Palestine ne va pas disparaître. C'est leur terre. Non, ça fait pitié. Allez-y au village, maman. Fanny, quand Draman va tomber, vous allez revenir. Que nous tous, on va partir au village. On va partir. Abidjan, ça a resté dans sa main. Pour cet économiste, une politique... Abidjan, ça a resté dans sa main. Et Côte d'Ivoire, là-même, n'est plus pour lui. Il a vendu ça à la France. Uniquement répressive, raterait son objectif. Les pauvres qui généralement s'engagent dans ce petit informel, donc ceux qui ont plus de moyens selon les groupes informels qui ne vont pas venir s'installer sur l'espace public, donc en ciblant l'activité et en paricochant aussi, les plus vulnérables. Donc il faut que cette mesure s'inscrive dans un cadre plus global où on pourra plus ouvrir. N'accepte. 90% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel qui représente environ 40% du PIB du pays. Ça c'est un pays. 90% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel. Ça c'est un pays ça. C'est ça, on dit un pays développé. France 24, hein, c'est pas moi. Télévision des Draman. Franchement, chers amis, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est scandaleux. Et surtout inacceptable. Je répète, inacceptable. Faut quitter là-bas. Qu'est-ce qui est inacceptable? C'est déjà fait. C'est-à-dire, Ivoirien va prendre tout son temps sur TikTok, sur Facebook. Non, ça va pas régler. On dit descendez dans la rue, chassez Draman. C'est fini. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais pourquoi c'est fait? Inacceptable, ça veut dire, on refuse que ça se fait. Mais tu as accepté, Draman a fait déjà. Quelque chose qui est déjà fait. Oui, inacceptable dedans. Inacceptable, c'est ce que le peuple refuse qu'on puisse le poser comme acte. Mais Draman a déjà fait. Toi, tu dis que c'est inacceptable. Oh non. Côte d'Ivoire, Yako. Mais qu'est-ce qui arrive à mes parents? Qu'est-ce qui arrive à mon peuple? On ne dirige pas des êtres humains comme ça. Ivoirien, il y a quel problème? 29 millions de personnes ne peut pas descendre dans la rue pour chasser Ouattara. Il y a un problème. Inacceptable.
Je ne sais pas quelle économie M. Ouattara a fait, parce que on nous disait souvent que c'est quelqu'un qui a travaillé. Regardez cette maman-là. Maman fouille. Pas une quête, il faut enlever ça. On a vu ça en Guinée. Nos mamans se sont déshabillées contre Alpha Condé, l'animal. Nuit, tous les femmes ivoiriennes, déshabillez-vous. Mettez-vous dans la rue, Draman va voir ça, c'est une malédiction d'abord pour lui. Tu es assis là, tu cries, Draman s'en fout de ça. Un peuple opprimé, offusqué, la révolte devient des droits. Oui. Un peuple traité comme des animaux dans leur propre pays, la révolte devient des droits. Draman peut tuer 29 millions de personnes, non. Au Bangladesh, grand frère Frank Tawara, au Bangladesh, faut ouvrir France 24, tu vas voir. Parce que moi, je regarde même plus la télévision. France 24. Allez-y, regardez, au Bangladesh. Mettez sur France 24, tout de suite, là, vous allez voir. Plus de 1000 morts en 2 jours. On dit, c'est bloc. Premier ministre est parti. Il a pris l'avion, il a fui. Tu peux faire 1000 morts en Côte d'Ivoire? Non, non, non. Dès que le microbe de Draman commence à tuer 2 ou 3 personnes, tout le monde fuit. Personne ne veut mourir. Pour ta propre liberté. Allez-y au village. C'est mieux. Oh my God, putain. Ni dans un pays développé. Mais vous envoyez votre brigade pour casser les commerces et ravir toutes leurs économies, donc en fait détruire leurs activités. C'est-à-dire que ça, c'est une pratique. Si on était en Italie, on parlerait de la mafia. C'est-à-dire l'État ivoirien se comporte envers son peuple. Moi, je vis ici, en Italie. Aucun mafia ne peut se donner le droit de faire ça. Aucun. Mafia peut payer des gens de poser ces actes-là. Ça, c'était les années 30, là-bas, c'est fini. Ici, ça ne peut plus. En Italie, ici, ça ne peut plus. Mafia ne peut pas donner l'argent à qui que ce soit pour aller détruire le commerce de quelqu'un ici. Ça, c'est terminé. Et Ouattara, les gens qui lui ont soi-disant élu, ils se comportent envers eux de la même manière que font en fait les mafieux. C'est-à-dire, ça, c'est une raclette. Vous venez, vous ravissez tout, vous cassez tout, parce que ceux qui sont peut-être sous votre protection n'ont pas payé leurs cotisations. C'est ce que font les mafieux. Il y... Tout cela, ce sont des femmes d'Oula, les gens du Nord, qui se sont sacrifiés. C'est-à-dire les gens qui se sont battus pour Draman. Pour elle, je ne parle pas dedans. Pour elle, moi je dis Dieu merci. Parce qu'il y a longtemps, je m'adresse à elle. Qui était derrière Draman, qui était... Pour elle, c'est la malédiction. Je parle pour les Ivoiriens du Sud, là. C'est de eux que je parle. Sinon, ces partisans qui se sont battus pour eux, moi, je suis fatigué de ça. Je me pose la question, comment on peut traiter des peuples comme ça là, sans que personne puisse se révolter? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, Zouzou, Draman a mis Nassidji, il a maravouté les Ivoiriens. Arrêtez, moi je ne suis pas un mouton. Hein. Il est pratiquement impossible de marabouter 29 millions de personnes. C'est faux, c'est lui qui vous dit ça, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas qu'est-ce que ces Ivoiriens là, Draman a l'air donné. Même en conclusion là, Ivoirien ne veut plus mourir. Pour quoi que ce soit. Ivoirien ne veut plus mourir pour sa dignité, sa liberté. Non. Nous, on l'a fait une fois, c'est terminé. Ivoirien ne veut plus aller en prison. Ivoirien ne veut plus mourir. Ces bananes, tu vas aller manger. Non. Tu ne dois pas arrêter de détruire la maison avec toi. Arrêtez de signaler ma vidéo des fils de bâtards. Vous êtes partis à l'école, non? Moi, non. Pourquoi je vous dérange? Leur cotisation, c'est ce que font les mafieux. Toute une famille. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui vivent dans la rue et qui n'ont aucune activité. Et on nous dit à Cocody, on vient chasser les mendiants. Mais en fait, quand vous parlez de chasser les mendiants, moi, je sais que même en France, sur Paris, il y a beaucoup de mendiants. Dans les pays bien plus riches que la Côte d'Ivoire, il y a des mendiants, on ne les a jamais... Vous voyez... Attention. Merci beaucoup, papa. Il y a les mendiants à Paris partout. Attends. Vous voyez ça, là, ces images-là. Même en France, sur Paris, il y a beaucoup de mendiants dans les pays bien plus riches que la Côte. Vous voyez ces bulldozers là? Je vais chercher vidéo, je vais vous montrer. Vous voyez ces bulldozers là? Qui est en train de détruire? Je vais vous chercher vidéo là, je vais publier. L'enfant palestinien est venu se coucher devant. Il dit, monte sur moi. Okay. Un enfant, il va rien faire ça. Un petit enfant palestinien est venu se coucher devant ça là. Il dit, monte sur moi. Militaire israélien ne peut pas monter sur un enfant parce que tout le monde le regarde. Mais en Côte d'Ivoire, quel jeune peut aller se coucher devant bulldozer, il n'a qu'à monter sur lui. Non, ils ont peur de mourir pour leur dignité. Voici le problème de l'homme noir africain. Non, c'est dommage. Putain. Non, Ivoirien, bientôt, vrai là. J'ai déjà dit ça plus de 10 fois. Je ne parle plus dedans, mais toujours il revient. Mais cette fois-ci là, je dois apprendre de ne plus parler de votre affaire et puis de Draman. Vrai là.
logement. Ah, il y a des mendiants, on ne les a jamais ramassés comme... Il y a des mendiants partout ici, même à Mila ici. Tous les petits supermarchés qui sont ici là, LD, Rospin, Lidl, les animaux des dramans qui sont venus sur bateau là, qui ne peuvent pas rentrer dans le supermarché pour sortir s'ils ne sont pas devant comme ça. Des jeunes Ivoiriens, les petits du là des dramans, ils sont venus, ils sont dans les camps de concentration en attendant qu'on va étudier leurs dossiers, ils n'ont pas les papiers. Ils sortent, ils viennent s'arrêter, je sors. Salut, toi, tu es Ivoirien, oui, je donne 2 euros, 3 euros. Il y a, le supermarché qui est derrière ma maison, il y a un Nigérien, un Ivoirien, ils s'échangent. Il y a un qui vient matin, il y a un qui vient après-midi. Des mendiants. Il y a un mendiant. Hé, tu es vraiment, vraiment. C'est, j'ai mal, hein. J'ai mal. Hé, hey, Ouattara. Ah, il a. Et puis, il ne fait que cibler les gens qui ont voté pour lui, hein. Des gens qui se sont massacrés pour lui. C'est dommage, c'est triste. Merci beaucoup, tchè. Je suis découragé, faut pas. Mes larmes vont couler devant vous ici. C'est dommage, c'est triste. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Hein. Que Dieu ait pitié de ces peuples-là qu'on les appelle les Ivoiriens. Que Dieu nous vienne en aide pour mettre fin à ce régime dictatorial, régime criminel, inhumain. Demain matin à 4h du matin. Que Dieu fasse que je me réveille demain. Première nouvelle, Zouzou Dramane est tombé. Eh, tchè, on ne gouverne pas les êtres humains comme ça. On ne gouverne pas un peuple comme ça. On ne dirige pas un peuple comme ça. Si Dramane n'est pas là, ses partisans, l'ethnie où il dit qu'il est l'un des ils vont faire comment dans le pays-là? Toi, tu es Doula de où? Toi, tu es Doumbia de quel pays? À cause de ça, là, on dit qu'on est marginalisé. À cause de ça, là, on dit qu'on nous maltraite. Toi, tu es Ouattara de où? À cause de ça, on dit qu'on nous maltraite. On allait jusqu'à prendre des armes au nom de la frustration. Mais regardez aujourd'hui ces images. Chers parents, dis-nous, Aïtakma, là, ça ne fait quoi, il s'abarie. Dites à Ouattara de s'arrêter. Votre fils, Rojo, on ne sait même pas où il se trouve, mais ce n'est pas le sujet. On va revenir sur ça. Aïe, s'abarie, quoi. Aïe Sabari, Tikendia l'a dit, hier, Kounouye, billet, signé, gouvernement 20 ans. Quand il parle un peu, 20 ans. C'est morceau, allez-y, écoutez, il a dit. Quand Aïe Sabari, July, Aïe Sabari, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera demain. C'est ça, on appelle 6 et devenu 9. On ne gouverne pas les êtres humains comme ça. Non! Mais moi, fils de ma mère, Mongondoua, fils de ma mère, on vient casser maison de maman, je suis là. Casser sa commerce, je suis là, c'est faux. Moi et maman, nous allons partir. Vous comprenez? Nous allons partir. Je ne vais pas l'accepter. Parce qu'à ce moment, papa n'est plus, maison de maman est cassée, le commerce est cassé. Je préfère aller me reposer avec ma mère, un repos éternel. Oui. Je vais dire à maman, allons-y, on n'a plus sa place dans ce monde. Et ça, ça manque à l'homme africain noir. Il accepte toutes sortes de l'humiliation. Sauf le respect de sa dignité. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Et le mot me manque. Quant à toi, papa, capitaine Ibrahim Traoré, et on va revenir sur cette vidéo. Voilà, des conseils. Mais tout le monde à l'écoute au Burkina. Et là, il doit travailler comme à capturer Dramane Ouattara et Patrice Talon. Là, il doit travailler comme à déstabiliser, détruire le régime de Dramane Ouattara et Patrice Talon. C'est ça qui vous reste. Quant à vous, mes parents de la Côte d'Ivoire, il y a quoi vous? Quant à vous, mes parents ébriés, on dit d'aller chercher un autre village. C'est à vous de voir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.